d'émotion. Ouais, parce que ça a été dur, ça a été long. J'ai une pensée pour ma famille aussi. Parce qu'ils ne sont pas là avec moi. Je sais que c'est dur pour eux aussi là-bas. Mais j'avais un groupe extraordinaire. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde dans le stade. Mais je suis fier de. Voilà, je suis fier d'eux, je suis fier de ce groupe, je suis fier de beaucoup de choses. Mais bon. Faut savourer. Attends, mais en Ligue 1, c'est incroyable. Incroyable. On se rend pas compte, mais c'est beau. On écrit l'histoire, on écrit l'histoire. Sensation incroyable, mais on réalise pas encore. Je crois, on réalise pas. L'objectif, il est fait, on est heureux. C'est magnifique. Content pour le groupe, content pour le coach, content pour le club. Et... rendez-vous l'année prochaine. Ligue 1, première saison, Ligue 1, allez, les gars. Bon, c'était pas une saison facile. Écoute, comme le coach dit, on a un groupe, on a tout fait, ouais. Et aujourd'hui on a gagné, ouais. Un ensemble, et... les Troyens, on est en Ligue 1, on est en Ligue 1, on est en Ligue 1, allez les gars. On commence, hein. Bis repetita, sauf que cette saison c'était quand même plus cool, tu vois, ouais. Mais c'est particulier parce que c'est sûr que sur les supporters c'est différent, on a un petit peu communié avec eux là tout à l'heure, mais la saveur elle est différente, malheureusement ils n'étaient pas avec nous. Mais j'espère qu'on pourra se rattraper les années prochaines et réitérer ce genre de performance parce que quand on voit la réaction de tout le monde, quand on voit le sourire sur la tête des gens malgré le contexte actuel, c'est, je pense qu'il n'y a pas plus beau. Le groupe, le staff, les supporters, le mérite, la ville. Et voilà, c'est un super club et ce qui se passe aujourd'hui, ben franchement, ben, c'est mérité pour tout l'ensemble du club. Tous les supporters et on espère voilà, les revoir bientôt parce qu'ils nous manquent. Vraiment... Un club super familial, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de revenir et pareil, pour Karim aussi. Hein. Voilà. On se cache pas, on l'a dit dès qu'on est revenu. Voilà. Et voilà, on a offert ça à nos supporters, à notre club. Que demander de plus? C'est magnifique. Un super mec. Avec honneur en plus. Non, vraiment très content pour tout le monde, on a bien bossé cette saison. Même ceux de nous qui n'avons pas joué beaucoup, on est très contents, on a aidé à tout le monde à arriver à ce point-là. Et... on est super content et c'est une joie collective, super. Il n'y a pas qu'un 11 joueurs, c'est vraiment tout un groupe, tout le staff. Même je rajouterai les supporters et la ville. Donc je suis content quand je vois un moment comme ça avec les supporters. C'est émouvant parce qu'ils méritent, parce qu'ils ont été là pour nous. Et je suis content que l'année prochaine, eh bien, on se retrouve tous en Ligue 1. Et voilà, on va bien profiter des vacances. Mais en tout cas, je suis vraiment trop trop content de ce groupe de fou. C'est un groupe de fou. Ouais, je crois que comme il a dit, la plus belle image, c'est les supporters avec nous. On oublie un petit peu les problèmes et le virus, tout ça qui se passe à côté. Et on profite vraiment ce soir, tout le monde avec sa famille, avec les amis, au téléphone, en réel pour certains. Et c'est magnifique, c'est que des bons moments. On va bien profiter. Merci, on va champion, on va bien mon frère. Profiter. Champion, on est en Ligue 1. Champion. Champion, magnifique, magnifique. Aujourd'hui, on a rendu un rêve possible. C'est extraordinaire. Et en plus, la fierté de ramener nos supporters la saison prochaine à Ligue 1 au stade. Ouais, c'est quelque chose d'énorme, énorme. À bientôt, bonnes vacances. C'est magnifique. Merci à eux, merci à tout le monde. Merci à tous trois. Merci. On remet le club à sa place. Champion, champion, champion. De monter avec un club comme ça qui mérite, franchement c'est royal et là dans les moments là il faut penser à toutes les personnes qui travaillent au club et à nos familles aussi, c'est important parce qu'elles ne peuvent pas être là, donc on profite et merci les supporters parce que c'est grâce à eux aussi, hein, beaucoup.